and more. It just won't give up. I'd be disappointed if it did. Now it's our turn. Set a small tear. Not that the world's veil ripped apart. Look, there, above the cathedral. Ilden, one of the three capitals. The seat of the Torchbearer. Once the light of the kingdom, now it burns. I can't do this. Why the others and us deal with the other chimeras? I'm not ready. We are not ready. To them, we are just briar and loot. The outcasts. I see, this is our chance to prove ourselves. We can't waste it. Anyway, we're late. Can you sense the others? The echo of the dead is just too strong. It dulls my senses. Loot, you need to focus. Forgive me. I will do better. Whatever ripped open the veil must be powerful. Let's look for our observer. He should be able to tell us more of what transpired here. Then we best find him quickly. Salut tout le monde, c'est X-Rouge et aujourd'hui on se retrouve pour le test gameplay découverte de Soulstice sur PlayStation 5, édité et développé par Replay Game Studios et Modus, à qui l'on doit l'excellente saga Trine, ou plus récemment Chris Tales, sorti officiel le 20 septembre 2022, et Peggy nous le déconseille, au moins de 16 ans. Pas de notes sur 20 sur les sites communautaires de jeux vidéo, vu que le test est fait un petit peu en avance. Qu'est-ce que Soulstice ? Eh bien, on est vraiment sur un back to basics. Vous voyez les hack and slash de l'époque ? Je vous parle des Devil May Cry 1, 2, 3, des premiers God of War. On est en plein dedans, et il suffit déjà de le voir de par la position de la caméra qui suit la protagoniste, portant le nom de Briar. Elle est accompagnée de Lute, sa sœur. Ses deux sœurs forment une seule et même entité. Lute s'étant sacrifiée pour sauver sa sœur, mais elle a dû en payer le prix et se retrouve sous une forme spectrale. Elle pourra néanmoins aider sa sœur à envoyer des attaques à distance, pendant que Briar, elle, s'occupera principalement des dégâts au corps à corps. Une attaque basique ainsi qu'une attaque secondaire fera apparaître une arme bonus qu'elle cache dans sa poche. J'ai personnellement attribué ces deux attaques sur les touches R1 et R2. Le jeu, en plus de vous proposer 5 niveaux de difficulté adaptés, peut vous permettre également de configurer les touches comme bon vous semble. La configuration par défaut de ces dites attaques était placée sur carré et triangle. J'ai préféré le mettre sur R1 et R2. Ayant récemment joué à un Soul-like du nom de Steel Rising, j'ai préféré garder ce gameplay que j'avais encore en mémoire pour me familiariser plus avec ce que me proposait le jeu. Broke. They were just people once before they became corrupted.
call this the judge's mercy then. Un gameplay tout bonnement assez primaire, comme je vous l'ai dit, vous avez deux attaques et la sœur qui vous accompagne se gère d'elle-même. Je pourrais éventuellement donner un petit point négatif. On a parlé de la caméra, certes c'est une caméra qui était magnifiquement adaptée pour les hack and slash de l'époque. Ça me dérange un petit peu de ne pas avoir le contrôle sur la caméra qui pourrait suivre de façon plus concise, plus précise en vision TPS le dos de Briard pour pouvoir m'accompagner. Mais l'avantage aussi que je peux en tirer d'avoir une appréhension sur le cadre qui s'adonne ainsi fait que on sait forcément où il faut se diriger. La sortie est directement plus ou moins indiquée car elle est dans votre champ de vision. Est-ce que c'est un point positif? Pour certains oui, pour d'autres non. Je trouve que pour un jeu de 2022, on aurait pu peut-être avoir une caméra plus libre de par nos propres mouvements, mais en même temps, ça contredit le fameux back to basics que j'ai dit. On est dans un hack and slash qui est très sommaire, et en fait, ça ne fait non plus pas vraiment de mal de pouvoir revenir aux sources. C'est un jeu qui saura surtout toucher la corde des nostalgiques du genre. Il est vrai que l'on nous bassine trop aujourd'hui avec des jeux qui se veulent plus ou moins innovants sur un milieu et sur un mode de jeu qui a été moultement développé et dont on ne connaît que trop bien les rouages. Repartir sur quelque chose de si classique, personnellement, ça me fait quand même assez plaisir, et puis niveau graph, la qualité est quand même au rendez-vous. Vous pouvez privilégier la performance graphique ou avoir une résolution amoindrie pour bénéficier de FPS plus constants. Vous pouvez également choisir un entre-deux, j'ai préféré laisser la configuration performance vu qu'elle était indiquée par défaut pour le jeu sur PlayStation 5. Je viens donc de débloquer la parade avec lutte. Maintenant, il va falloir que je fasse L1 au bon moment pour vous montrer l'animation. Faudrait-il encore que quelqu'un m'attaque? Voilà qui est fait. Ça reste quand même assez fluide. Et comme vous avez pu le voir précédemment, voilà, il y a un système de rank qui vous note en fonction du temps que vous avez mis, des combos que vous avez fait, etc. etc. On est sur le principe hack and slash et donc le principe arcade. Pourquoi je ne dis pas beat'em all? Ben, normalement il faudrait le dire, parce que l'appellation hack and slash c'est un petit peu vieillot et ça a laissé place au beat'em all. Mais pour les puristes du genre, je compare un beat'em all à du Dynasty Warrior, à des jeux de type Musou, plutôt qu'un hack and slash bien bourrin comme j'avais l'habitude de le voir dans des God of War ou des Devil May Cry. Un Bayonetta, c'est un hack and slash. Un Dynasty Warrior, un jeu où est-ce qu'il y a que des mecs tout autour juste pour faire le gros bourrin, etc. C'est ça que j'appellerais plutôt du beat'em all. Donc, ne m'en voulez pas pour ceux qui prônent l'étymologie des termes. Je pense que je vais faire quelques coupures, quelques fondus enchaînés pour scinder la vidéo en plusieurs parties. Le hack and slash, ça n'a pas grand chose de, comment dire, de trépidant si ce n'est pour voir le skill du joueur lors des moments de fight. C'est fou, j'avais cru qu'il fallait aller à droite, mais bon, ouais. On va dans le feu, donc généralement... Ouais, voilà. Plus ça pue la mort, l'endroit où on va, plus généralement... Ah, je pensais à un boss. Non, une nouvelle unité qui a l'air de taper à distance vu qu'il a une lance. Ouais, voilà. Ouais, sur lui, il va falloir souvent que je fasse du L1, du coup. Donc comme je disais, outre le côté gameplay et le côté pro du joueur qui serait là pour tenir en haleine le viewer durant une vidéo de présentation de hack and slash, il n'y a pas grand chose à voir.
Outre bien sûr le fait qu'il y ait aussi quand même pas mal de cinématiques qui accompagnent quand même le joueur dans la progression du jeu, et ça c'est plutôt sympa, ça offre une belle touche de dynamisme, et comme je le disais, on est quand même tenu en haleine de façon assez aisée pour le coup, car c'est toujours cool d'avoir un jeu qui a trait sur ou un scénar plutôt poétique, ou un accompagnement vidéo pour vraiment maintenir toute notre attention, et ça c'est pas plus mal. Ah tiens, une porte. Ça me fait bizarre de voir des temps de chargement sur un jeu de PS5. On a tellement l'habitude que grâce au SSD de la console, ça va tellement plus vite. Enfin, ça va déjà très vite. Hein. J'imagine pas sur PS4 le temps qu'on aurait dû attendre. Oh. Il est stylé ce masque. Toi, t'es le vendeur. Et effectivement, c'est bien le vendeur. Bon, ça, c'est ce qui va me faire office de potion. Ah, mais je suis obligé quand même de suivre le tuto, donc je suis obligé d'acheter ce qu'il me demande. Et les voilà, les compétences. Donc, update, amélioration des armes. On débloque donc des compétences d'attaque. Donc il y a acheter des consommables. Et je n'ai pas lutte, c'est encore bloqué. Donc je ne peux vraiment monter que brillard. Ah ouais, il y a carrément même des niveaux de maîtrise. Ah ouais, très très classe. Ouais, donc quand l'épée clignote après que j'ai donné deux coups, je peux enchaîner les autres coups du coup. Ah ouais, elle part dans une espèce de tourbilol. Quelque chose me dit que ça c'est un temps de chargement dynamique, mais oui, on arrive à l'autre zone. Belvédère des Dockers. Sur certains aspects également, avec l'angle de caméra, parfois ça me fait aussi penser à du Nier Automata. Par contre, ces petits rubis rouges, on me fera pas croire que c'est pas du DMC-like, clairement. Dans Devil May Cry, pour ceux qui ne savent pas, la monnaie, c'était ces fameuses pierres d'âme, une couleur rouge sang. Ils servaient de monnaie courante pour l'achat de consommables et d'amélioration du personnage. Et petite anecdote qui ne va rien vous apporter dans votre vie. Le son que faisaient ces pierres quand elles s'agglutinaient sur nous, quand on les récupérait dans Devil May Cry, ça a été pendant très longtemps ma sonnerie texto. Je vous l'ai dit, hein, ça allait pas changer votre vie d'apprendre ça. On est sur un aspect un peu caméra traveling. Oh, franchement, c'est bien foutu en vrai. Ben pour un jeu en fait qui n'est clairement pas un triple A, qui est fait avec les moyens du bord, hein, vraiment. De chez Modus, ça remonte quand même à plusieurs années, mais j'avais fait le vidéotest d'un jeu également pour consolefun.fr qui m'avait énormément plu, c'était Extinction. Où ce que l'on devait buter des géants en leur tranchant le cou. Ça faisait un petit peu attaque des titans-like, quoi. Bon, on peut récupérer des objets dans des lieux qui... Enfin, dans des chemins qui ne sont pas censés nous amener à l'objectif principal, mais par contre, après, il faut tous retaper. Super, quoi. The freight elevators.
Très bien, donc c'est Keblo. À nous de débloquer ça. Va-t-il y avoir un puzzle game? Va-t-il y avoir juste un endroit où aller péter quelque chose qui bloque? Voir ce que ça nous réserve. Je me demande si avec si avec mes points de sang je peux pas améliorer Non, ok, non mais là je suis dans le codex. Ah non, je peux pas. Ah, je peux pas. Il me faut forcément être en présence du vendeur. Bon, moi maintenant, on le sait. En tout cas, l'aspect graphique et la structure du château du royaume de Kedha, c'est très bien fait. Oui, pour information, nous sommes du coup dans le royaume de Kedha. Mais je ne vais pas non plus vous faire des gros points sur le lore, j'ai pas non plus envie de vous spoiler, je vous ai déjà dit qui c'est qu'on incarne. Qu'est-ce qui nous amène ici? Bah, faut pas avoir fait Matsup pour se dire, bon, peut-être que Briard veut tout simplement sauver l'âme de sa sœur, quoi. Néanmoins, le fait qu'elle ne forme qu'une entité, elle devienne donc une entité capable de détruire les monstres qui occupent ce monde désormais. Ouais, non, je pensais que ça allait faire office d'échelle, je voyais ces poteaux plusieurs fois sur le côté. Et voilà, on a débloqué. Non, franchement, une ascension comme ça, c'est vraiment stylé. Mais ça se voit clairement que c'est du chargement dynamique. C'est intégré au jeu, mais ça permet de charger le restant de la map. On est mission numéro 2, j'en ai profité pour débloquer une nouvelle attaque. Voilà, deux fois vers l'avant et une attaque. Ouais non, faut vraiment ouais le faire deux fois. Ah non plus. Ouais, courir ne compte pas comme un dash. Faut vraiment faire les deux dash une fois qu'on est au point fixe et ensuite attaquer. Sinon ça ne marche pas. Comme vous l'avez vu, le fait qu'elles doivent combattre en permanence le mal-être qui l'habite pour ne pas se transformer en démon, ça me fait énormément penser au scénario, si je vous dis, une femme qui se bat avec une énorme épée et qui font tout pour ne pas se transformer justement en démon, ça me fait énormément penser au manga Claymore. Ok, on est tombé sur des gros monsieur. Ok, ça contre pas complètement son attaque, ça le met en stand-by. On s'occuper des trash mobs avant. Voilà. Une fois que le symbole est rouge, l'attaque je vais forcément la bouffer, il faudra forcément que j'esquive avec rond. Ouais. Il porte l'attaque quoi qu'il arrive, même si j'attaque après avoir
après avoir contré, l'attaque finira par toucher si je suis dans son rayon d'action. Oh, le sac à PV sans déconner. Obligé d'y aller au marteau. Quoi. Pour l'instant, je vais contrer, je vais esquiver. Pas grand chose d'autre à faire. Non, mais après, c'est super aussi. C'est une belle mise en avant des nouveaux mobs à chaque fois. Plus on progresse, plus ils sont amenés par une petite cinématique. On a vu le lancier dégringoler du toit. Et puis là, le gros qui a ouvert comme un livre un pauvre petit gars qui n'avait rien demandé. Vous allez me dire, avec tous les coups qui se prennent, c'est pas un aspirine qui pourrait régler le problème. Oh, je l'ai Keblo. Incroyable. Je le martyrise. Oh, le bizutage. Génial. Bon, c'est bien joli tout ça, mais on va essayer quand même d'avancer pour au moins faire un boss et terminer ce gameplay découvert, parce que j'ai pas non plus envie de vous spoiler toute la progression du château de Kedas, quoi. Décidément, ce château n'a pas de fond. J'ai l'impression de m'enfoncer plus profondément à chaque pas que je fais. Oh, un filon. Ah bah, ça s'appelle vraiment comme ça. Oui, donc j'avance un petit peu. J'ai le pouvoir d'activer une orbe avec sa sœur, qui me permet du coup de voir tout ce qui peut être bleuté autour de moi. Ah, le vendeur. Je vais pouvoir dépenser parce que j'ai beaucoup de... Les vendeurs ? Ah non. Ah non. Ah non, ça c'est pas des vendeurs. Qu'est-ce que... C'est quoi ce truc là ? J'ai pas les mots. Ah bah oui, ok, activer l'onde. Voilà. Activer l'aura. Pour que je puisse les toucher. Ça paraissait logique. D'accord, bon bah des nouveaux mobs. Putain, j'ai cru que c'était le vendeur avec le masque, ça y ressemblait tellement. Mais maintenant que j'y pense, ouais non, il avait pas la même gueule. Mais je pensais qu'il y avait différents vendeurs. Décidément. Ce jeu me brain. Non, en vrai, personnellement, je suis en train de kiffer ma life. Par contre, j'avance énormément. Heureusement que je vous coupe des trucs, parce que là, je suis fin mission 3. Et il n'y a toujours pas de... toujours pas de boss à l'horizon, quoi. Je me demande s'il y en a. Est-ce que je vais rencontrer non-stop des nouveaux mobs comme ça, ou est-ce qu'il va y avoir vraiment un boss à un moment, quoi. Hop. Je peux aussi activer une onde de rouge, car il y a aussi des cristaux rouges à péter. Qu'est-ce que c'est que ça? Ah, c'est des défis! Oh, des défis chronométrés, tout ça! Bon, ben, je vais le faire. Mais je vais pas vous le montrer, parce que sinon, ça va spoil. Ah, ben, te voilà au final. Je t'avais confondu avec des pabots. Oh! Une nouvelle arme! Voyons un petit peu toutes ces attaques. Ah ouais, une attaque en piqué là pour tomber, pour frapper violemment. Bon, de gros coups de poing marteau. Ah, l'infériorité numérique, on la sent bien quand même. Parfois, il y a des groupes, ils sont 12, c'est abusé. Eh ben enfin! Eh ben bon, je pense qu'après ce sera la fin de la mission 3, mais... Ben c'est pas trop tôt, toi t'as l'air d'être un boss. Oui, barre de vie, parfait, incroyable. Allez, maintenant étudions ton pattern. Ok, coup de marteau vers l'avant.
J'ai amélioré lutte, les gros ennemis que je ne pouvais que stun de la même manière que je fais ce boss. Maintenant, je peux contrer leurs attaques. Ah ouais, non mais faut t'arrêter toi un peu. Faut que je lâche une esquive à chaque fois que je prends un coup en fait. Oh, c'est drôle, sa durabilité s'est montrée avec son armure qui se détruit au fur et à mesure des coups qu'il prend. Même s'il y a un indicateur de vie en bas, hein, mais c'est bien pensé. Oh, c'est super bien fait. Hein. Ouais, non, enfin, faut que je lâche des dashs pour esquiver et que je me maintienne à portée quand il fait son tour bilol. Bon, il a que 4 coups différents. Il refait pas son coup de marteau vers l'avant, mais... J'en ai compté que 4, hormis son tourbillon. Ah, ça y est, si, il le refait. Franchement, je surkiffe, je trouve ça tellement immersif, c'est... Je prends un pied de dingue, mesdames et messieurs, vraiment. Je suis en train de kiffer ma race. Allez, une bonne chose de faite. Ah ouais, j'ai eu un sale score. J'aurais pu faire plus de combos avec la nouvelle arme, mais... Je suis resté très basique dans mon gameplay. Enfin bon. Eh bien écoutez, je pense que je vous en ai assez montré, quand même ça fait 3 missions, c'est pas mal montré pour un vidéo test gameplay découverte. En espérant donc que tout ce que j'ai pu vous montrer jusqu'à présent vous aura convaincu de vous prendre ou pas Soulstice, qui n'est pas au prix fort, hein, pas plus de 40€, 39,99€ en dématérialisé, et sûrement le même prix chez les revendeurs, je suppose. Il n'est pas encore sorti chez ces 10 revendeurs, vu que je fais le test en avance, comme je vous ai dit. En espérant donc que ça vous aura bien plu. Sur ce, je vous dis donc à très bientôt pour un prochain test gameplay découverte. Portez-vous bien tout le monde, et à ciao !